Écoutez, toi qui sommeilles, écoutez. Viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clou? Écoutez. Écoutez, Sacré Géraldo, écoutez. L'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt et dans l'allégresse. Écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse. Jésus vient bientôt. Nous te remercions, Seigneur. Aide-nous que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, la force nécessaire pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, comme nous t'ai parlé de cela déjà, cette question de mon pensée, aspect ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, génération, côté le sorti, pour qui ça l'Église a parlé journée aujourd'hui? C'est vrai dans Éphésiens 3, versets 9 à 10, qui nous partagé avec nous déjà, l'Éternel dit, il faut que les dominations, et les autorités, il faut que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église ou encore par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église doit pencher sous quel que soit fait social, problème qui gagne, l'Église doit porter une correction à ça. L'Église, c'est meneur l'Église, l'Église pas suiveur. Gagne deux types, gagne meneur, gagne suiveur. L'Église pas là pour suivre le monde là. OK? L'Église là pour mener yo vers Jésus encore, pour dire la parole de Dieu. Et puis après, yo même y a fait un choix. Nous pas gagner en dans l'Église pour nous dire, c'est ce monde là pour comporter parce qu'il trouve dans la génération X ou bien dans la génération Y pour lui retenir dans le téléphone là, pour nous admettre lui. L'école li rete nan telefòn ni, an dan chanm li rete nan telefòn ni, fò di yo pa kont bon Dieu, l'Eglise dwe admèt yo kon sa, e l'Eglise dwe adapte yo kon sa. Non, sa pa bon, se pa prinsip pa l'Eglise. L'Eglise pa un suiveur, li pa dwe ap suiv ti moun nan. Se menon mene ti moun nan, ou mene ti moun nan, ou pye de la kwa. Mètnen, lè li vin gran, sou estuil selon la loi de Dieu, la prete atache. Men si l vle detounen, men se ta lui. Mais il faut que l'enfant soit grandi en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu. Nous pas gagner pour nous confondre nous à génération X, génération Y, génération Z, génération W ou bien génération V, quelle que soit génération liée, l'Église va gagner droit à induit ou encore à dit pour tout monde rester attaché à ça. Fais grande attention. À ne pas oublier que quand j'étais parlé des détails qui a entré on prend à l'intérieur de l'église là. Et ça a conduit nous, ensemble des bagages qui passent. L'église, c'est meneur. Si c'est téléphone notre fait, ou bien iPad là, ou bien Internet là, si c'est lui-même, les parents qui n'ont pas coupé Internet là, si mon n'a pas de téléphone, li pas de iPad, seulement li a mené dans ça, lui doit suivre lui. Automatiquement, il n'a pas de ça, il n'a pas aucune génération, il n'a pas de génération, maman n'a pas qui a instruit. Maintenant, l'église n'a pas de pour induire nous. Pour nous suivre, adapter avec Timounio dans la génération OIA, parce que vous faites génération X, parce que vous trouvez dans la génération Y, parce que vous trouvez dans ça. Non, c'est parole l'église, et l'église pas doué, mettez-vous dans la condition ça. Ok? Ça, c'est le premier rôle, l'église pas doué, mettez-vous dans la condition ça, pour y avoir Timounio. L'expression, regardez bien, ouais, l'expression génération X, et a d'abord été utilisé en démographie, ok?
c'est une expression qui est utilisée en démographie. Écoutez bien dans quel espace vous utilisez. D'où il y a un terme, même dans l'autre terme. L'expression génération X a d'abord utilisé okay, en démographie, un, puis en sociologie, deux, et en marketing, trois. Ça veut dire, si son affaire démographie, c'est un fait société, en sociologie, son sociologue, c'est des faits société, c'est un fait, et puis sociologue là, il est là pour regarder fait comment société a évolué. Ok? A d'abord utilisé en démographie, même Jean-Peter Zayen était capable de faire démographie, population et nourriture et déplacement. Et puis, ils font une prédiction. Ils disent, parmi 9 potes qui là, en février telle année, là aussi, ils pour attaquer l'Ukraine. Ça, c'est un historien, un démographe, un géographe, un sociologue qui analyse et tout le monde va le mettre chapeau bas devant Peter Zayen. Je donne le nom. Ça veut dire, à regarder. On prend, on regarde Peter Zayn. Kounya, maintenant, si lui-même, son expression démographique, lui, ouais, mais ça pral produit, lui porte yon analyse à partir de yon fait, j'en kranje a fait là, lui vin tombe d'aplomb, là, ou applaudir. Mais, là, ou prend des slogans, je bien dit, des slogans, ok? En démographie, sociologie et en marketing, et tout ça, elle est surtout. Elle est surtout, on prend largement utilisée dans la culture populaire. C'est dans la culture populaire que vous pouvez utiliser génération X, etc. Je reprends. L'expression génération X a d'abord été utilisée en démographie. C'est là où elle a été utilisée en démographie, en sociologie, en marketing. Ça fait 3 aspects. Elle est surtout largement utilisée dans la culture populaire. Maintenant, quand j'ai ça me vient faire ensemble avec moi là, on va le montrer historiquement, bibliquement, juridiquement, je reprends, historiquement, bibliquement, juridiquement, l'église pas bien doit suivre cette question de génération X, Y, Z, W, etc. Génération A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nous, l'église va gagner pour la suivre depuis génération A pour vivre dans génération Z. L'église va gagner pour la suivre ça. Ok? Maintenant, quand je prends l'église va gagner pour la prêcher ça. Non? L'église va gagner pour la suivre. Non? Pasteur va gagner pour la calme. Pour dire pour l'église là accommoder à tel timoun parce qu'elle dans telle génération. Non, non. L'église a gain droit pour démonter cette question ou bien slogan génération qui sont slogan démographie, qui sont slogan en marketing, OK, qui sont slogan en sociologie qui se des faits sociaux et qui sont slogan en culturel qui est utilisé, ça c'est le monde païen. Les mêmes l'église là pour lui apporter l'aspect spirituel, ok, et diakonos et synchronos, diakonos et synchronos à travers le temps et avec le temps, historiquement, ok, juridiquement, c'est le rôle de l'église. Maintenant, rien de nouveau sur le soleil et c'est ça que j'ai pour montrer nous d'abord. Qui va le soutenir? En suivant origine, il a d'abord utilisé un royaume uni. De pour dire royaume uni, ou est Charles Darwin. Depuis dit Charles Darwin, ou est évolutionniste par rapport à créationniste. Ça lui dit l'église pas non évolutionniste. Ça lui dit depuis où est Charles Darwin. Et même j'en tout, depuis parler de liberté, ou est Haïti. Ce qui vient à dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, il a d'abord été utilisé cette question de génération X que moi qui entre dans l'église que moi pasteur a accommodé au frères et sœurs a accommodé au ancien l'église a accommodé à cela. Non, non, non. Maintenant, l'idée d'abord utilisée en 1965. En 1965, attendez date là. 1965 par Jim Deverson et Charles Hamblet. Jim Deverson et Charles Hamblet.
C'est-à-dire, une génération ça qui a parlé de génération X là, c'est une génération qui couche ensemble avant le mariage. L'église va garantir ça, mes amis. Deux, c'est une génération qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit pas en Dieu. Je ne suis pas capable de dire pour m'accommoder en ça. Ça fait deux. Trois, qui n'aime pas la reine en Angleterre parce que c'est dans l'époque ça a eu connaissance. Et quatre, qui ne respecte pas ses parents. Ça les dit, m'dou, son mariage qui prend naissance en Angleterre. Jane Deverson, Charles Hamblet. Ok? En 1965. Ça les dit, qui dit en Angleterre, père, ou bien qu'on soit parlé de théorie, ou bien en économie, Adams, ou encore soit parlé de Adams, Thomas, oui, Locke, John Locke, voilà, soit parlé de théorie, vous comprenez, en économie, Adams, qui pourrait aller dans ça, John Locke, pour cette question de séparation de pouvoir qui pral reprendre puis devant pas Montesquieu et John Locke qui pral dit pour dans oppression seule possibilité ou gain c'est sortir tête ou c'est révolution pour capable sortir tête ou depuis oppression. Ça veut dire John Locke et en Angleterre qui pral gagner des grandes théories c'est pral sortir là-dedans et c'est dans pays ça Jane Deverson et Charles Hamblet qui pral venir avec cette question de génération X. Et en 1965, que moi journée jeudi à l'église avant de là-dedans. Combien de types de générations qui gagnent d'après monsieur? Gagnent génération perdue, yo dit qui commençait en 1883, qui pral finir en 1900, génération perdue. Gagnent génération grandiose, yo dit qui commençait en 1901, qui pral finir en 1927. Ça les dit différents types de générations. Je reprends. Génération perdue, qui commençait en 1889, en 1883. Qui finit en 1900, génération grandiose qui commençait en 1901, qui pourrait finir en 1927, génération silencieuse qui commençait en 1928, qui pourrait finir en 1945, génération baby boomer, ok, baby boomer qui commençait en 1946, qui pourrait finir en 1964, après-guerre, génération X qui a parlé au même de au même journée aujourd'hui, qui commençait en 1965, qui pral fini en 1980, génération millénial ou encore génération Y c'est à ça nous habitué qui commençait en 1981 qui pral fini en 1996, génération Z qui commençait en 1997 qui pral fini en 2012, génération Alpha yo considéré début à en 2010 ou encore en mi 2020, c'est tout ça on en génération Alpha. Mais, ça, c'est ça, monsieur, yo, analyser, yo, différencier différents types de générations. Mais quand j'ai, dans ensemble de recherches, nous dit, oublier génération chemsex. Dans ça, Pierre Palmat et Maurice Français, chemsex, qui gagne drogue, qui gagne alcool, mélangé avec médicaments. Ok, alcool, mélangé avec médicaments, mélangé avec drogue, garçon avec garçon, cinq garçons. Nan yon sel chanm, en Haïti yo ele sa ou kreye. Yo oublie génération kreye. Ok? En Haïti yo ele génération kreye. Ok? Maintenant, ou bien, ti moun 2000, je ne sais pas. Gen des slogans madame papa. Ou bon? Différence type d'âge la, tout moun admet, c'est une différence de 12 ans. Se garçon ta de pi gran ki fia. Maintenant, ti moun nan kapab petit ou gen double âge li, ou gen triple âge li, moun sa ma ven. Eh bien, oublié génération ça ça veut dire pour moto son slogan oublié génération chemsex qui tout près là il a fait créer on prend 20 jeunes garçons dans une seule chambre on prend 72 jeunes filles dans une seule chambre il a mené activité yo pasteur pas capable de prêcher au monde c'est l'église pour suivre génération ça oh non et ensuite l'on fin gagne tout bagage pour nous mettre nous dans condition pour nous capable comprendre oublié génération qui me sexera, qui me dit, qui mélange drogue, qui mélange cocaïne, qui mélange tout bagay. Yoblie génération pédocriminel, ou bon, qui commence depuis 1950, qui ou jeune ni, qui en France, avec la parole libérée, ou bon,
ensemble avec sauvager encore équipe monsieur Sao côté que yo remet rapport pour dédommager au côté en fragile un paquet de monde. OK, en 1950 toujours presque des 5000 et au Portugal là le pensionnat de la honte au Québec ensemble avec tout le monde côté parlement des pardon pour ensemble des bagages etc. etc. Il oublie cette question du Vatican, il va parler de ça. Il oublie génération ça. Et ensuite, il va oublier génération de liberté. Génération de liberté, il oublie ça pour parler de Haïti parce qu'à partir de 1804, si je vous dis à parler de liberté, c'est Haïti. Il va parler de ça parce que sous dit liberté, où est Haïti? Il oublie ça. Il oublie génération BLM, ou encore Black Lives Matter. La vie des Noirs contre une forme de néocolonialisme. Ça qui est Kembe qui a mené l'actualité, ce n'est pas les mêmes ou des pas avant. Génération X, Y, Z, ça signifie. Maintenant, l'écran j'ai fini camper tout ça, il montre que des générations, yo même yo pas moyen, qu'on y a là quand j'ai dit historiquement, bibliquement, juridiquement, cette question des générations. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et bien, toute génération ça qui a parlé, c'est un parallélisme lié même avec LGBT. Vous prenez la mi-temps. Ça veut dire, quitte ou parler des quatre types de générations, ou bien dit génération, quitte ou parler des quatre types de générations, génération boomer, génération X, génération Y, génération Z, ça fait quatre lettres. Et bien, quitte ou prend L, G, B, T, c'est toujours même bagala. Comme il y a maintenant, dans LGBT, qui doit ajouter qui? Ok? C'est on la une, qui doit ajouter Z au fini, et après Z là, on mettait plus ça. Les 10 ou 10 Z, LGBT, ou il vient dans Z, ou il vient dans le dernier alphabet, soit prendre dans ça, pas oublier que l'autre alphabet est bon, ou bon, l'alphabet français, ok? Mais oublier à d'où, qui c'est génération X, Y, X, Y, Z avec boomer, qui c'est LGBT. T, yo tout a fini dans Z. En d'autres termes, yo commence de A, yo fini dans Z. Et l'autre la commence de A tout, li fini dans Z, LGBT, qui, plus, ou bien Z, plus, etc. C'est même pepe blan. L'église va gen doit pour entrer dans ça. L'église va gen doit pour faire promotion dans ça. L'église pasteur va gen doit pour suivre moun sa yo. Moun sa yo, c'est pour suivre ça l'église a dit, ou bien chaque moun était dans rôle yo, chaque bourg boit de son pâturage. Et c'est ça cringe. Abdi ou, et c'est ça cringe. À parler avec vous et pendant que dans moment ça nous arrivons dans thème n'a mando est-ce que vous entendez comment parole la parler est-ce que vous entendez qui ça n'a dit est-ce que vous écoutez et sous écoutez mettez en pratique et puis dis l'autre monde cette question des générations où il a parlé là ou dis c'est slogan oui dis moi c'est slogan oui parce que c'est slogan y a bail monde. OK, cranger sonner ton pète là. Quand j'ai annoncé nous ça, et puis dis l'autre moun yo, suspend dans cette question que l'église a suivi moun non question de génération X, génération Y, génération Z, génération W, l'église va rien pour suivre moun nan anyen. C'est l'église qui bail limite nan, dans Éphésiens 3 verset 9, il dit il faut qu'on connaisse aujourd'hui par l'église. C'est l'église pour qui dit maintenant qui génération ça c'est slogan yo. Yo, ce sont des faits sociaux yo analysés qui sorti en Angleterre li pa même gens a sorwe moun yo ap di yo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs frères et sœurs, quand j'ai ensemble avec nous et nous mande bon Dieu pour li capable toujours aider nous. Et c'est pour ça quand j'ai ensemble avec nous li mande bon Dieu pour li capable toujours aider nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reprends. Quand j'ai ensemble avec nous mande bon Dieu pour li capable toujours aider nous pour nous capable apprendre et ton père là li sonne est-ce que vous entendez. Nous te remercions Seigneur. Est-ce que le nom de chacun de nous ici présents l'être d'or de ton livre de vie? Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Merci.